Coucou mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Voilà, comme prévu, je vais vous faire la petite guidance. Je vous avais dit que je viendrais aujourd'hui vous la faire. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Vous voyez, j'en sors tous mes oracles devant vous. Les oracles qu'on me dit de prendre. Voilà, donc comme prévu, je viens. J'espère qu'en tout cas vous passez une bonne journée. Voilà. Donc on va enlever les mauvaises énergies et on va commencer hein, bien sûr. Allez. Voyez, regardez, ça se voit que je bricole dans le jardin. Hein. Wow. C'est super d'être blanche. C'est super top, je vous le dis. Donc installez-vous bien confortablement. Avec un café, quelque chose. Moi, j'ai mon petit café. Voilà. Et on va commencer déjà avec les énergies. On va voir ce qu'on va me dire. Ça va parler. J'espère que vous n'avez pas trop chaud. Parce que nous, déjà, en Bretagne, il fait chaud. Donc j'imagine que dans tout le reste de la France, où une grande partie il fait chaud. N'aie pas peur, tu es protégé. C'est dans le calme et le repos que réside la force. Je pleure lorsque ton cœur a froid. Laisse-toi réchauffer par mes rayons de soleil perpétuel. Alors déjà d'une, il y a des messages de la source, entre guillemets, qui vous disent, vous pleurez peut-être à l'heure actuelle, mais vous êtes protégé. Et peut-être que ce qui vous arrive en ce moment, peut-être séparation, rupture ou quoi, c'est peut-être pour vous apporter quelque chose de mieux. Ou peut-être pour renforcer vos liens. Alors des fois, on passe par des étapes qui font pas toujours plaisir. Je dis pas le contraire. Mais des fois, justement, c'est pour renforcer le couple. Après, l'autre petit message, c'est autant que la source veut vous réchauffer, vous faire du bien, et autant on me dit gentiment, notre message, c'est votre autre. Non, deux messages. Un, c'est... Pour certains, ça serait un proche. Un défunt. Qui est là. Proche de vous. Et qui essaie de vous rassurer. Et l'autre, c'est votre autre. Qui essaie de revenir vers vous. Et qui a seulement envie de vous prendre dans les bras. Alors peut-être qu'il n'est pas en communication pour moi avec vous. Mais on me le fait passer par ce message-là. Qu'en vérité, bah, peut-être qu'il est fatigué. Qu'il a seulement envie de vous protéger. Mais peut-être parce qu'il est fatigué de la situation. Parce que vous êtes disputé. Peut-être qu'il y a eu telle et telle chose. Et tout ce qu'il a envie, c'est vous prendre dans les bras, vous réchauffer. Même s'il fait chaud. Vous voyez ce que je veux dire. Mais faire la paix. Beau message. On me dit de faire quelque chose, donc je vais le faire. Puisque il y a un défunt qui est. Au moins un défunt qui a voulu parler. On me dit qu'il y a un message à passer. Donc je le fais. Même si d'habitude je le fais pas. Et là on me dit de le faire. Donc peut-être pour rassurer une personne, peut-être pour rassurer tout le monde aussi. Je ne sais pas. Important.
C'est bien ce message. Et un 3. Douce énergie. Sur Terre, nous ne voyons pas l'énergie, mais il nous arrive de la ressentir. Dans mon nouveau monde, nous sommes énergie, toi aussi. Tu peux apprendre à travailler avec elle. Si tu veux, je peux t'aider. Est-ce que tu ressens cette douce chaleur? C'est ça l'énergie. Vous voyez, ça parlait de chaleur. Présence. Quand tu te retournes ou quand tu sursautes, croyant qu'il y a quelqu'un avec toi, c'est que je suis là. Quand tu te sens seul, tu ne l'es pas vraiment. Je suis là. Ce que tu fais ou penses m'intéresse toujours. Vous n'êtes pas seul, on vous le dit. Donc même si vous vous sentez seul en ce moment, vous n'êtes pas seul. Besoin de prière. Je sais que tu as probablement besoin de moi. Mais pour une fois, c'est moi qui te demande de m'envoyer de l'énergie, de l'amour, une prière. Mon cheminement ici, dans l'au-delà, s'avère en ce moment un peu plus difficile. Merci. Moi, ce que je reçois dans ce message, c'est surtout qui pour vous aider. Parce que vous êtes peut-être perdu, complètement, en train d'être anéanti. Il vous fait comprendre qu'il a besoin de vous, mais c'est surtout pour vous aider à vous relever. Voilà. Des fois, ça fait du bien de parler à un être cher, même qui est décédé. Ça nous aide à nous relever. Sachant qu'il vous fait comprendre qu'il est là. Donc pour moi, c'est pour vous dire, je suis là. J'ai besoin que tu pries. J'ai besoin que tu me parles pour pouvoir t'aider. Même s'il vous dit qu'il a besoin de vous. Il a besoin de vous pour que vous puissiez l'aider. Pour qu'il vous aide. On dit toujours qu'on a besoin de quelque chose dans la vie. D'un vœu qui se réalise ou quoi que ce soit. On fait des demandes à la lune, des demandes à la source, des demandes source, Jésus et tout ce que vous voulez, hein, voilà, Dieu, toute croyance confondue, et aux anges, anges, archanges ou quoi que ce soit, d'accord. Là, il vous dit, t'es en train de souffrir, je veux t'aider, mais il faut que tu me demandes. Très beau message. Allez, Léo. Donc, là, on vous dit gentiment de ne pas vous enfermer chez vous, d'être au service de tout le monde, justement, pour vous aider à sortir de vous mettre au travail, entre guillemets, à la place de déprimer, de vous faire déjà du plaisir, d'être au service de vous, déjà, au service des autres, de vous faire du bien, entre guillemets, et ça va vous aider à remonter. Donc, voyez, voilà, il y a un petit chat, quitte à vous entourer, mais d'être déjà de vous occuper l'esprit, surtout ça, vous occuper l'esprit. Et après, relation à haute fréquence, donc sortez, profitez avec vos amis, ne restez pas enfermés. Même si c'est WhatsApp, Messenger, parce qu'on a du mal, des fois on est loin de famille ou quoi que ce soit, mais on vous dit gentiment, soyez en contact avec du monde, ne vous enfermez pas, ne vous refermez pas sur vous-même. C'est comme ça qu'on déprime. L'abondance t'appelle, donc faites-vous plaisir, pensez à votre santé, à votre amour, vous pouvez trouver notre amour, hein. La sérénité, la raison d'être et la croissance autant intellectuelle que psychologique, mais de votre cœur, faites-vous du bien, faites-vous du bien, vous n'êtes pas bien, trouvez quelque chose qui vous fait du bien. Ces trois cartes, c'est ce que ça veut dire. Que ça soit avec des amis, que ça soit au travail, disons travail. Ça peut être, je sais pas,
Vous aimez dessiner, mettez-vous à faire du dessin, exprimez-vous. Même si vous avez envie de d'imiter sa tête et de après prendre un jeu de fléchettes et le. Hein? Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Allez-y. S'il y a que ça pour vous faire du bien. J'ai mis des boîtes de partout. C'est pas cool, hein? Je peux vous le dire. On me dit aussi que pour certains, pour ceux qui sont célibataires, en sortant, en pensant à vous et non en restant enfermé, vous allez pouvoir faire de belles rencontres. Avec de la sincérité, une vraie relation. Bien sûr, il ne faut pas non plus déborder sur le temps et penser à son temps au temps aussi, hein, bien sûr. Mais vous allez retrouver une liberté, une joie, une reconnaissance de vous-même, même. Travaillez sur votre amour. Pensez à votre intérêt. Alors, intérêt, moi, quand je vois intérêt, alors pour ceux votre intérêt, vous, votre cœur, ne choisissez pas quelqu'un pour l'argent ou parce qu'il a la notoriété. Pensez à quelqu'un qui vous aime. Faites attention que quelqu'un ne vous choisisse pas aussi par intérêt pour votre propre bonheur. Gardez espoir, on me dit. Gardez espoir. Vous allez pouvoir réaliser vos projets en mettant aussi un peu d'argent de côté, par amour, mais par rapport à, pour votre bonheur, par amour pour vous. Par amour des projets que vous avez envie de réaliser. Vous allez le faire avec souplesse, sans vous fatiguer non plus au travail, on me dit, pour justement pouvoir retrouver cet équilibre, parce que c'est bien beau aussi pour certains d'être désespérés, se mettre à fond dans le travail. Non, c'est pour ça qu'on vous dit gentiment, pensez bien sûr au travail. Si vous avez envie de gagner plus d'argent, je ne dis pas le contraire pour certains qui peuvent le faire, mais aussi n'oubliez pas de sortir, de vous amuser, de penser à vous, votre bien-être. Et toujours garder espoir. On trouve toujours chaussure à son pied, même si on reste 2 ans, 5 ans, célibataire. Des fois, il vaut mieux nous trouver quelqu'un de bien. Même si maintenant on est. C'est dur de trouver une relation stable et durable. Je ne dis pas le contraire. Il y a beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de personnes qui sont là par intérêt. Je ne dis pas les intérêts, vous voyez ce que je veux dire. Des fois, il vaut mieux attendre. Voilà, gardez espoir par rapport à votre solitude. Restez souple par rapport à votre solitude. Ne déprimez pas. Pour le moment, oui, vous vous sentez peut-être seul. Que ça soit en couple ou parce que vous êtes célibataire, vous vous sentez seul. Je ne dis pas le contraire. Je ne dis pas le contraire. Mais j'ai toujours dit, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Et pourquoi? Parce qu'on vous dit prudence. Prudence parce que peut-être autour de vous, peut-être qu'il y a des personnes qui s'intéressent à vous, mais elles sont peut-être fausses. Voilà. On dit peut-être prudence aussi par rapport à votre relation. Donc, on va voir aussi un peu. C'est pas la bonne boîte. Bon. Voilà. J'essaie de remettre les couvercles parce que j'en ai de partout. Bien sûr, comme d'habitude. Donc, on me dit de travailler avec.
Non, bah, est dedans, peut-être. Je devrais les retirer, je les retire jamais. Et je remets toujours. Hein. Allez. Là, me dit que vous avez envie vraiment de réaliser vos rêves, un retour à la normale et réaliser vos rêves les plus profonds. Que ce soit en amour, vos projets familiaux, d'habitation, vous êtes en train d'examiner la situation. Oui, pour vous, vous avez pris du retard, bien sûr. Retard par rapport à vos projets, mais peut-être parce qu'il s'est passé des choses qui vous ont éloigné de vos rêves. Vous êtes obligé de tout réexaminer, donc peut-être séparation, peut-être du retard aussi pour n'importe quoi, perte de travail, n'importe quoi, et vous êtes amené à tout reprendre presque de A à Z, parce qu'il y a eu du retard. Alors peut-être c'est du retard par rapport à des démarches, voilà, mais peut-être aussi vous avez loupé des examens et que vous êtes obligé de repasser des examens, ça aussi. Et donc, vous décidez peut-être de changer. Changer de direction, changer peut-être de vos rêves ou une partie de vos rêves. Et vous êtes en train d'examiner la situation. Pourquoi? Pour pouvoir évoluer. Vous avez envie, bien sûr, vous évoluez par rapport à un cadeau de la vie que vous aviez envie de réaliser. Donc, vos projets, même s'il y a eu du retard. Et vous décidez de changer peut-être. Vous avez analysé les choses pour pouvoir y arriver peut-être d'une autre manière. C'est pour ça qu'on vous a toujours dit, gardez espoir. Vous allez bien sûr avoir de la chance. Alors, peut-être que ce retard a été de la chance au final, parce que vous arrivez à évoluer autrement. Évoluer à la correspondance. Alors, peut-être qu'il y avait un problème de correspondance, un problème de communication, où il y aura bien sûr un verdict. On va voir pour le reste. Alors bien sûr, il y a eu beaucoup de problèmes, étant donné qu'avec les foudres karmiques, c'est qu'il y a eu les retards étant conséquents, peut-être des problèmes pour se voir avec la famille, peut-être des gros retards financiers, peut-être n'importe quoi, on peut tout imaginer. Retard à cause de d'illusions. Donc, beaucoup de retard à cause de beaucoup d'illusions, de masques autour de vous où vous allez mettre la lumière. Voilà. Alors, dans un sens, vous allez peut-être trouver en correspondance des choses qui vont vous mettre la lumière sur certaines choses qui vous feront plaisir ou pas. Mais en tout cas, qui vont vous permettre de changer de voie, de situation. Et c'est peut-être vraiment cette chance, ce cadeau de la vie qu'on vous fait quelque part. Parce que, à place de rester peut-être sur des illusions, sur un travail ou avec quelqu'un, ben, au moins, vous allez trouver la lumière et mettre fin à tout ça, à toutes ces foudres karmiques. Alors, pour moi, foudre karmique, ça peut être des disputes par rapport à des illusions, parce que peut-être vous avez envie d'avancer avec quelqu'un ou au travail et qu'au final, il n'y a rien qui bougeait. Voilà, retard, retard. Vous examinez la situation, il n'y avait rien qui avançait. Eh oui, des adversaires. Ah, ça c'est bien. Donc autour de vous, il y avait des adversaires qui ont porté des masques, qui vous ont fait croire monts et merveilles sûrement. Et vous allez découvrir toutes ces choses. Vous allez pouvoir retrouver l'équilibre en trouvant la lumière, vous élever par rapport à cette fin, parce que vous allez acter la fin finalement avec cet adversaire. Vraiment. Voilà. Vous allez vraiment, pour pouvoir vous élever, acter cette fin et pour pouvoir ouvrir la porte. Et moi, je dirais la porte au bonheur, la porte à être équitable avec vous. Bien sûr, on me parle de temps. Pour un renouveau, on me parle.
et un amour. Donc voilà, maintenant on sait que c'est de l'amour. Voilà, j'attendais de savoir si ça allait être travail, famille, amour. On a au moins quelque chose? Parce que je laisse parler toujours les cartes, les énergies, vous le savez. Bon, on dit bien, tu n'arriveras pas à concrétiser peut-être... Peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. C'est ce que vous êtes en train d'analyser parce que vous avez vu que vous avez des adversaires autour de vous et que ce n'est pas bon du tout. Et finalement, vous tournez en rond et vous n'arrivez pas à ce que vous voulez. Donc, bien sûr, il faut analyser encore la situation. Comment faire? Mystérieux boule de gomme. Peut-être qu'on va nous aider ou peut-être qu'on vous pousse, on m'envoie vous passer ce message pour dire « Non, non, tu n'arriveras pas comme ça. Il faut que tu trouves une autre solution. » En tout cas, ça vous met en retard sur vos projets. Et bien sûr, vous êtes en labyrinthe. Vous êtes en train de tourner parce que vous n'arrivez pas à concrétiser vos projets d'amour, donc avec la personne avec qui vous voulez être et avec qui vous voulez trouver l'abondance. On dit que vous allez la trouver, mais pas de la façon que vous voulez faire. Lui, en tout cas, vous dit gentiment, tu peux compter sur moi. Donc, il est toujours... présent, mais peut-être pas comme vous avez envie. Est-ce que aussi c'est votre... Alors je parle de votre défunt qui est là pour vous faire un petit rappel en disant appelle-moi, tu peux compter sur moi, je vais essayer de t'aider peut-être dans mes rêves, dans tes rêves, et essayer de t'aiguiller puisque vous trouvez peut-être pas la solution. Je ne vous pousse pas non plus à parler à un défunt. Je dis que c'est ça pour ceux à qui le message a parlé. Peut-être que c'est un petit clin d'œil dans les cartes. Mais en tout cas, lui, votre hôte, vous dit, tu peux compter sur moi. Donc, il sera toujours plus ou moins présent. Voilà. Mais ce n'est pas de la manière que vous devez faire, bien sûr. Voilà. Pour le moment, vous êtes dans un labyrinthe, mais vous allez trouver la joie, le soleil, l'abondance. Mais le tout, c'est trouver la solution. Et on me dit, d'ici quelques semaines, vous allez trouver la solution. Ce qui est bien pour vous, en tout cas. Oui, parce que pour le moment, il y a la tempête. Et même qu'il y a la tempête, il vous dit gentiment, tu peux compter sur moi. Donc, je pense que peut-être qu'il y a une non-communication. Mais s'il vous arrive quoi que ce soit, ce qui veut dire gentiment, vraiment un truc très grave, il sera quand même là. Il est encore trop tôt pour le dire aussi par rapport à la tempête et pour retrouver le soleil. Parce que pour le moment, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Vous n'y prenez pas comme il faut. Donc d'ici quelques semaines, pour le moment, il y a toujours la tempête. D'ici quelques semaines, si vous arrivez à trouver les situations, parce que pour le moment, c'est trop tôt pour le dire, vous arriverez à retrouver le soleil, la joie de vivre et la liberté. Alors, est-ce que c'est la solution qu'on me dit? Lâchez prise, brisez vos chaînes. Et lui, il reviendra. Parce que peut-être vous l'harcelez. Peut-être que vous êtes toujours en train de l'appeler. Et là, on vous dit, brisez chaînes. Fais comme si c'est terminé. Pour pouvoir avancer. On parle d'un homme âgé. Je ne sais pas pourquoi, mais on parle d'un homme âgé. On dit de prendre celui-là. Alors, peut-être que c'est un homme âgé qui va m'envoie, qui va vous aider à prendre la décision. Peut-être vous conseiller un papa, un oncle, un grand-père, ou peut-être un défunt, hein, voilà, qui va vous aider à passer cette tempête. Ou c'est peut-être cet homme qui avec qui vous êtes, qui est plus âgé que vous. Vous êtes triste par rapport à toute cette situation. Il y a eu beaucoup de manipulation, ce qui a mis beaucoup de difficultés. Pour certains, ça parle de ville, donc vous êtes peut-être en ville triste, ou sinon... On me dit peut-être que vous partez en ville tous les jours aussi travailler et qu'au final,
Jouer une distance. Le fait de partir peut-être vers la ville que vous êtes. Ça met peut-être des difficultés. Voilà. Vous êtes peut-être éloigné, ce que je veux dire, et que déjà, ça met des difficultés dans votre couple. Même si vous êtes beaucoup attirés l'un l'autre, mais peut-être qu'il y a de la manipulation autour de vous, peut-être autour de lui, parce que justement, vous êtes éloigné et que vous devriez plus rapprocher et que ben, les gens peut-être profitent. Il y a la tromperie. Alors peut-être que ce nouveau départ va se produire en ville, bien sûr. Vous allez peut-être vous retrouver, peut-être par hasard. On me dit difficulté parce qu'il y a tromperie en amour. D'accord? Mais tromperie en amour, ça peut être n'importe quoi. Vous savez que ça peut être un proche hein, qui vous aime ou que vous aimez et qui vous trompe quelque part. Ça peut être de la famille qui vous fait croire, oh, je t'aime et tout, c'est ça. Ou qui raconte des choses sur votre autre. Et en vérité, c'est que pour mentir. En tout cas, vous allez décider de vous rencontrer en ville, peut-être par hasard. Vous allez être réattirés l'un par l'autre, même s'il y a eu tromperie, mais vous allez retrouver cette chance. La chance déjà de vous retrouver pour programmer un nouveau départ, c'est peut-être ça. Et pour pouvoir vous ancrer. Alors c'est peut-être ça, cette chance que vous allez avoir. Puisque vous essayez de le voir, vous n'arrivez pas. Et là, peut-être par hasard, vous allez vous promener en ville, proche de chez lui peut-être, vous croisez par hasard dans le train, n'importe quoi, et vous allez vous rencontrer. Bien sûr, vous allez être attiré, hein, vraiment, hein, c'est... Peut-être aussi que pour certains, vous allez décider carrément un nouveau départ avec quelqu'un d'autre aussi, on me dit. Oui. Alors là, non. On me dit, vous allez vouloir vous ancrer, reprendre une relation, mais vous allez avoir peur. Le petit message, oui, pour certains, il va avoir un nouveau départ avec d'autres, bien sûr, comme tout le monde. Mais vous allez avoir beaucoup peur de vous remettre avec lui et être beaucoup dans la réflexion à cause de la tromperie qu'il y a eu. Ce que je peux comprendre tout à fait. Donc, vous allez regarder toutes les difficultés qu'il y a eu. Analyser la situation, ce qui a été dit tout à l'heure, c'est pour ça que ça a mis beaucoup de retard. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de reprendre confiance et vous avez peur de tout ça. Vous voulez acter un changement. On dit que vous êtes protégé. Le changement, c'est que vous allez décider la fin. La fin de votre foyer, de votre famille. Alors peut-être parce qu'il y en a, c'est la famille qui a été les adversaires, qui ont mis du... Alors je ne critique pas, vous le savez, hein, il y a toujours du mauvais. Qui vous a poussé à vous protéger. La fin de la sexualité qu'il y a eu au final. Hein, donc, de votre autre... Donc, moi, on me dit la fin carrément de votre foyer. Là où, bien sûr, vous êtes protégé sexuellement. Pourquoi? Parce que vous avez peur. Qui vous retrompe. Et que vous n'arrivez pas à pardonner. Vraiment la fin. Foyer, famille. Pourquoi? Ben, à chaque fois que vous regardez dans la glace, vous voyez le passé. Vous vous enfermez. Petit à petit. Alors qu'on vous dit de ressortir, mais bon. C'est en gestation. Mais vous restez instable. Vous restez instable parce que... Autant vous avez envie d'être avec lui, autant pour certains vous êtes mariés, donc vous ne savez pas ce que vous devez faire. Et vous êtes vraiment dans la réflexion. Vous étudiez vraiment toutes les situations. Qu'est-ce que je fais? Je reste avec lui, je retourne avec lui, je m'en vais. Oui, c'est compliqué. C'est bien beau de revoir une personne, et au final, vous avez peur que ça recommence. Donc, vous, vraiment, vous vous isolez.
Donc c'est vrai que vous allez le voir. Vous avez sûrement changé aussi l'un l'autre. C'est peut-être bien. Vous allez vraiment prendre un choix. Donc on me le dit trois fois. C'est que sûrement vous avez changé. Alors vous êtes peut-être entre la réflexion parce que peut-être vous revoyez peut-être quelques mois après. Vous avez changé, vous avez mûri ou peut-être ça a même encore empiré ou pas du tout changé. Et vous allez acter un choix. Pour votre bonheur déjà, ce qui est bien. Pour voyage et voir peut-être plus des écrits déjà. Vous la femme. Peut-être par rapport à tout ce qui vous a dit, puisqu'il y a eu de la correspondance ou pas de correspondance, et vous avez décidé carrément de changer. En tout cas, vous, la femme, vous avez changé, peut-être physiquement, peut-être moralement, peut-être sur beaucoup de choses, par rapport à tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été dit. Oui, parce que vous vous êtes retrouvé dans la pénitence, donc par rapport à la tromperie, peut-être par rapport au message ou non-message, ou peut-être voyage qui n'a pas été organisé, ou quoi que ce soit. En tout cas, c'est une nécessité pour vous de changer et de ne plus parler. Lâcher prise, c'est sorti tout à l'heure. Donc, vous avez décidé de faire silence et de ne plus parler. Ah, c'est ballot, ça. Pourquoi ? Parce que vous allez penser à vous, votre racine, votre foyer, tout ce que votre être. C'est vous méritez l'amour. Vous avez des valeurs. La famille, les racines, c'est des valeurs. Vous pensez. Vous avez été dans la pénitence par rapport à votre foyer, mais par rapport à vos valeurs aussi de famille. Donc, vous avez décidé de vous taire et de dire, je pense à moi. Même s'il y a un retour. Suite à un désert. En tout cas, pour le moment, vous restez dans le silence avant qu'il puisse avoir un retour sur quoi que ce soit. On me parle d'une femme brune, pour certains, où il y aura une surprise. Surprise du retour. C'est cette femme qui décide, donc la femme, bien sûr, brune, qui décide de rester dans le silence, en espérant, bien sûr, déjà parce qu'elle travaille sur ses propres valeurs. C'est une surprise pour elle, peut-être, de faire silence, parce qu'elle n'était peut-être pas comme ça déjà, qu'elle a eu du mal à décider de plus parler. Et elle aura la surprise du retour ou de vouloir faire la surprise vers son autre. Elle fera la surprise pour... parce que les choses vont commencer à se débloquer. Tout va s'éclairer. Donc elle va découvrir des choses, ce qui a été dit au début, qui vont pouvoir permettre qu'elle puisse revenir ou que son autre revienne pour retrouver la chance. La chance dans son couple, la chance dans sa vie. Et tout ça parce que il va lui dire tu me manques. Bon, quand il y a un lien très fort d'amitié, c'est l'infini, vous voyez ce que je veux dire. Oui, vous êtes unis l'un l'autre. Il y a un lien qui vous unit et qui fait que ben, même s'il y a la compétition, de la rivalité, vous lui manquerez toujours. Il reviendra toujours vers vous. Il sera toujours loyal et fidèle. Donc même si la famille veut vous mettre à mal, vous faire du mal, il a compris que c'est vous, sa famille. On me confirme oui. Oui, le lien est très fort. Oui, il reste loyal et fidèle. Même s'il y a la compétition, même s'il y a la rivalité, oui, il veut joie et bonheur avec vous. Vous rencontrez, et depuis qu'il vous a rencontré, il est resté loyal, fidèle. Même s'il y a peut-être des personnes, des adversaires, famille, adversaires, amis, n'importe quoi. Ils ont dit, non, il t'a trompé ou... on met la pagaille dans votre couple. En tout cas, il pense qu'à vous. Il va revenir à la communication pour retrouver joie et bonheur.
même s'il se dit non, parce que pour le moment, ça bloque. On va essayer de voir pourquoi ça bloque. Donc, c'est surtout, peut-être vous aussi qui décidez, puisque vous avez décidé de faire silence. On me dit non. Alors, il va revenir à la communication cet automne, non pour les vacances. Voilà ce qu'on me répond. Parce que pour le moment, ça bloque. Voilà pourquoi on a dit dans quelques semaines, ça allait se débloquer. Et on me parle d'enfant. Alors, deux solutions. Ou parce qu'il doit travailler sur son enfant intérieur et donc son ego. Tout à l'heure, la carte de l'ego est sortie. Donc peut-être ou lui ou vous, vous travaillez sur votre ego. Et tant que vous serez dans l'ego, pendant les vacances, ça ne va pas se débloquer. Voilà, ça sera cet automne. Après, c'est peut-être bloqué par rapport à des enfants. Des enfants qui bloquent la relation. Ou parce que vous partez en vacances l'un l'autre avec de la famille, et peut-être aussi que famille recomposée aussi c'est très dur. Voilà. Donc vous allez vous protéger, bien sûr, de lui tout l'été. Donc on a la confirmation. Donc oui. Cet automne, ça va repartir la communication, mais non pour cet été, parce que vous allez vous protéger de lui. Vous allez chercher des solutions. Ou lui, il va chercher des solutions pour revenir à la communication. Retrouvez votre énergie, en tout cas, ça va vous faire du bien pendant les vacances pour retrouver votre joie. La joie et du plaisir. Pourquoi? Pour lui, il est accroché à vous. Il va vous inviter. Même si pour le moment, vous n'êtes pas sa consultante parce que vous n'êtes plus ensemble, peut-être que sa féminine, il a porté des masques. La clé. C'est qu'il va vous faire une surprise. Eh bien, bien sûr. C'est toujours comme ça. Pour pouvoir guérir avec vous, bien sûr. Il le sait, il a vu. Qu'il pense qu'à vous. Qu'il a attiré comme un aimant. Qu'il va, bien sûr, revenir aux réseaux sociaux pour vous parler. Puisque vous avez été en non-communication, célibataire. Par amour pour vous. Suite à la crise que vous avez eue. Mais une crise très très forte. Très très forte. Donc vous êtes resté séparation, non communication. Vous avez dit non bien sûr à la communication, on me dit. Non à l'amour. Et non à votre couple de flammes jumelles. Flammes jumelles, âme sœur et tout le reste. Alors que vous êtes un couple uni. Tout ça parce qu'il refusait peut-être de s'engager, puisqu'il ne vous a pas dit que c'était, vous étiez la consultante. Peut-être qu'au début, vous avez été que la maîtresse. Ou peut-être qu'il a refusé de s'engager et ça ne vous a pas plu. Et vous avez décidé d'acter la séparation. Même si vous étiez attirés l'un l'autre. Mais la solution, c'était de briser les chaînes, de le faire comprendre qu'en vérité, il y a de l'amour, c'est pas « Oh, je m'amuse et tout, je suis de passage dans ta vie, tu me prends, tu me laisses comme une vieille chaussette. » Ben non, non. Il fallait peut-être le faire comprendre qu'en vérité, il avait des sentiments pour vous. Beaucoup de papillons dans le cœur. Même s'il y a eu des montagnes, bien sûr, ça arrive à hein, tout le monde hein, de ne pas s'entendre et tout. Hein. Ça arrive à tout le monde. Hein. Vous avez acté le break par rapport à votre santé, parce que vous n'étiez pas bien. Mais c'est normal, hein, mes féminines, c'est normal. Jusqu'à la progression de quoi? Ben, que le consultant réagisse, qu'il était empris de vous,
le cœur entrelacé, mais même jusqu'à la jalousie, pour retrouver l'équilibre, bien sûr. Ah bah oui, c'est beau. Beaucoup de ressentis pour vous. Même vous, vous saviez que c'était lui. Que vous, c'était une chance de l'avoir rencontré. Oui, on le confirme. Oui, que vous allez retrouver l'équilibre, mais qu'il fallait bien sûr qu'il comprenne. Pour certains, il va avoir des enfants. D'autres, c'est en gestation pour retrouver cet équilibre. Et on confirme aussi les enfants. L'équilibre avec les enfants, là, on me dit. C'était des secrets. Alors peut-être qu'il ne l'avait pas dit aux enfants aussi que, ben, en vérité, il était fou amoureux de vous et ça a mis une pagaille. Qu'au début, il préférait se mettre au travail et pas penser au projet de cœur. Mais qu'au final, ben, vous a réalisé qu'il s'enfermait de plus en plus dans sa tour d'ivoire. Que c'était que des illusions pour une simple, soi-disant, amitié un peu plus amoureuse. Et qu'en vérité, ben, c'était lui qui ne réagissait pas, que même si le chemin était long, il vivait dans les illusions. Maintenant, même si le chemin est long, il veut retrouver l'abondance avec vous. Vous. Et décider que vous soyez la consultante. Voilà. Alors, pour certaines, des consultantes sont avec un garçon. On me le dit gentiment. Et il y aura impact. Un déplacement pour impact. Voilà. Donc, certaines, il y a un garçon ou, disons, un jeune homme ou quoi que ce soit, pour certaines. Ce n'est pas une triangulaire. Alors, pour certaines aussi, il y a eu la séparation aussi. Ça a été blessé. Alors, peut-être dispute de famille, je vous ai dit d'enfants. Voilà. Où il y a eu des blessures par rapport aux enfants, mais il y aura le retour. Même si au début, il va se l'interdire, il va quand même déclarer. Il va trouver la lumière, d'accord? Il va se déplacer, le pacte. Pour ouvrir la porte. Bien sûr, c'est en gestation. D'accord? Pour moi, il se repose. Et avec le temps, il va revenir pour se divertir avec vous. Ah, et tout le reste. Voilà. Donc, c'est surtout peut-être pour moi une difficulté par rapport à la vie de famille. C'est dur souvent avec les vies de famille. Il a réalisé qu'en vérité, peut-être qu'au début, vous étiez pour lui un divertissement, il pensait, et qu'au final, ben, vous n'êtes pas un divertissement. Ça, c'est ballot, hein? Moi, c'est des choses qui me font rire. Non, non, je t'aime pas, non, 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 je t'aime pas. Non, non. Vous voyez ce que je veux dire? Et après, il regrette. Oh, je t'aime et tout. Ah bah ouais, mais c'est peut-être trop tard, hein? T'as pensé au mal que tu m'as fait? Est-ce que j'ai envie de te reprendre, moi? Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Hein, quand c'est des choses comme ça? Parce que c'est là qu'on a envie d'étrangler la personne, de dire, tu te fous de ma tête un peu? Moi, j'en ai marre de souffrir en silence. Hein? D'accord, tu vas acter le retour, mais dans combien de temps? Parce que moi, j'ai pas que ça à faire, hein, dans ma vie. J'ai envie de sérieux, d'un homme qui s'occupe de moi, mais qui est là, hein? Bah, bien sûr, hein, qui est là, qui fait pas semblant et que j'attends comme une imbécile, hein, bien sûr, hein? Parce qu'il faudrait y penser à ça, réfléchir correctement et se dire, oh ben ouais, ben c'est peut-être la femme de ma vie, faut pas attendre midi à 14h hein, non plus, hein, il faut pas non plus dire, oh ben oui, attends, ben j'ai le temps et tout. Et ben, quand elle aura acté un nouveau départ avec quelqu'un d'autre, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez pleurer? Ah ben oui, ah ben ça sera trop tard. Ah ben je vais essayer de la récupérer. Hein. Ouais, bien sûr, ben c'est trop tard. Ah ben carrément, elle est mariée maintenant. Oh, comment je fais? Mais je l'aime. Oh là là, et comment je fais maintenant? Ah ben ouais, ben, je suis désolée. Hein. Messieurs ou mesdames, parce que vous interprétez ça aussi à votre sauce, c'est parce que ça peut parler. En vérité, que c'est des femmes qui réagissent pas, qui se sont amusées, entre guillemets, qui sont côté plutôt yang que yin. Et qu'en vérité, ben, vous réagissez qu'après, hein. Vous réagirez un peu avant. Alors, exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors, deux solutions. Le fait d'exprimer votre amour, peut-être qu'enfin votre autre va comprendre.
Ah, bah même en vérité. Oh, bah ouais. Oh là là, c'est ballot. Oh, ça remonte au cerveau, excusez-moi. Ou, bah pour d'autres, bien sûr, vous allez acter. Bah, parce qu'il sera trop long, c'est ce que je viens juste de dire. Je vais voir quelqu'un d'autre. Bon. Finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc ça aussi, ça peut y faire. Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Alors, peut-être que oui, il y a eu des problèmes. C'est peut-être ça qui a eu le retard. Voilà. Peut-être changement de travail. Peut-être que vous n'avez pas acté un déménagement et que vous avez décidé de vous séparer en attendant. Donc, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Pourquoi? Parce que pour le moment, peut-être financièrement. Voilà. Donc, le nouveau départ, pour moi, ça sera avec l'autre. Le tout. Avec votre autre. Le tout, c'est parce qu'il y a du retard. Ça a été dit depuis le début. Il y a du retard. Donc, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, si c'est une histoire, bon, c'est sûr qu'il faut communiquer. Si vous êtes en non-communication, que vous ne dites pas les choses, vous allez à rien, arrive à rien. C'est ça que je déplore. Mais bon, c'est mon avis. Lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Bon, je sais qu'il y a, là, c'est dit que vous n'allez pas être pendant les vacances, là, cet été ensemble. Peut-être parce que vous êtes avec de la famille, les enfants, et que vous allez, et que vous pouvez pas faire les deux. Mais peut-être qu'après, à l'automne, vous allez décider de vous revoir par hasard, on a parlé de ville, faire un petit week-end ensemble, vous retrouver, et on vous dit gentiment de passer ce moment, mais vraiment comme s'il n'y avait rien eu avant. Aimez-vous d'abord, n'oubliez pas, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc aimez-vous d'abord. Et comme ça, vous pourrez acter un retour plus simple. Et n'en voulez pas votre autre, ni à vous. Si vous n'avez pas passé les vacances ensemble, des fois il vaut mieux attendre. C'est comme ça, c'est la vie. Sachant que là, ben, aussi, il y a des problèmes de circulation, hein, vous avez vu. Si vous êtes dans un pays étranger aussi, par exemple, votre autre, par exemple, il est dans un pays étranger. Il y a des pays où on ne peut pas se déplacer. Donc, est-ce que c'est pas ça qui a mis du retard? Il y a plein de choses. C'est tout à analyser. Donc, ça va peut-être parler à un grand choix de personnes, ce que je souhaite quand même. J'essaie seulement de vous aider pour vous dire, ben, prenez votre mal en patience pour certains. Bon, d'autres, bien sûr, ils vont dire non, j'attends plus. Ce que je peux comprendre aussi. Comme je vous ai dit, je ne suis pas là pour vous juger, bien au contraire. Je ne vous jugerai jamais. Moi, je suis, comme je vous ai dit, je suis coach de vie. Je suis là pour aider les gens. Pour vous aider à comprendre. Je le fais aussi à travers les cartes. Hein, donc, les cartes me parlent plus en guidance privée. Justement, pour vous aider à avancer dans votre vie et essayer de comprendre les choses. Parce que des fois, on ne comprend pas tout. Et c'est dur. Je ne dis pas le contraire, c'est très dur. Oui, je sais. On voit ma réaction, c'est de bonnes cartes. Disons, j'aime les titres. Voilà. J'aime bien les titres. Je vais prendre celle-ci parce qu'on me dit de la prendre. Et en plus, j'ai bien fait. Oh là là, je suis contente. Sensibilité. Mes anges, merci de nourrir ma sensibilité au jour, le jour, pour qu'elle soit source de joie pour moi-même et mon entourage. Les premières cartes, c'était de vous faire plaisir. De penser à vous et de retrouver du bon temps avec des amis, votre entourage, de vous faire plaisir. D'accord?
La sensibilité est une force immense pour être en empathie avec le monde qui m'entoure, mais elle ne doit pas m'affaiblir. Donc vous le faites bien sûr en conscience, sans profiter, exagérer, vous retrouver après à dormir toute la journée, ça ne sert à rien. Voilà, je suis la sensibilité. Je mérite la sensibilité. Donc oui, vous êtes des personnes sensibles et vous méritez qu'on soit sensible avec vous. Et même votre autre, vous le méritez. Prédiction. Ton hypersensibilité peut te jouer des tours pour trouver l'équilibre dans ton couple. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Analysez bien les choses. Il faut comprendre aussi votre autre. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Peut-être qu'il a des problèmes. Et peut-être qu'il ne vous parle pas aussi qu'il a des problèmes. Vous avez vu financer carrière. Peut-être qu'il a des soucis. Peut-être qu'il a des problèmes avec son entourage qui a peut-être du mal à vous accepter. Peut-être parce que vous avez des enfants, ou peut-être que c'est les enfants qui ne vous acceptent pas. C'est tout à prendre en compte. Alors, peut-être, oui, c'est vrai, on est hypersensible. Mais il faut le prendre en compte. C'est les conseils qu'on me dit de vous dire. Voilà. Passion. Mes anges, merci d'insuffler de la passion dans tous les gestes de ma vie. Je vis avec passion chaque instant pour vibrer, éprouver des émotions fortes dans le regard et dans les bras de celui ou celle qui aimait la même fréquence énergétique que la mienne. Je pense que tout à l'heure, vous avez eu un très beau petit message. Au tout début de la guidance. Je suis la passion. Je mérite la passion. Prédiction, partage une passion avec l'être aimé pour allumer la flamme. N'oubliez pas, je vous ai parlé du week-end. Petit week-end en amoureux pour rallumer la flamme. Affection. Mes anges, merci de m'aider à témoigner mon affection à ceux que j'aime. Si mon cœur est triste ou fatigué, qu'il soit encore capable de s'ouvrir à une marque d'affection pour retrouver de la vigueur et l'envie d'aimer. S'il est joyeux, qu'il s'espense pour offrir de l'amour. Je suis l'affection, je mérite l'affection. Prédiction. Ose être qui tu es. Aime-toi tel que tu es et tu seras aimé en retour. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est sorti avec les anges de l'amour. Aimez-vous d'abord. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Or, c'est surtout, on vous dit, d'arrêter de broyer du noir pouvoir rouvrir votre cœur à votre amour, à votre autre. Parce que c'est pas en broyant du noir que vous allez y arriver. Amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation. Et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Je pense que je vais finir sur ça. Parce que même si votre autre a du mal à passer d'une relation normale d'amitié, un peu plus qu'amitié, à une relation vraiment sérieuse où vous deveniez sa consultante, vraiment. Parce qu'au début, je pense que c'est, il vous a pris pour voilà, une relation normale. Mais il vous aime. Sauf qu'il fallait que ça rentre en matière et qu'il le comprenne. Voilà. Et bon, bien sûr, toujours des liens toxiques comme beaucoup de relations à l'heure actuelle. Mais c'était surtout qu'ils comprennent qu'en vérité, eh ben, votre place était à côté de lui et pas autre part. Voilà, sur ce, mes boubous d'amour, je vous fais de gros gros bisous. Je suis heureuse de vous avoir fait cette très belle guidance, même si j'en fais un peu moins.
que je fais plus dans les énergies, mais dites-moi ce que vous préférez. Si vous voulez plus d'énergie, je vous en fais pas, parce qu'on me le dit pas. Mais j'aime bien parce que, moi personnellement, après vous faites ce que vous voulez, parce que je vous passe quand même des messages qui peuvent vous aider aussi à passer les journées. Après, si vous voulez que des guidances, mais bon, de temps en temps, moi je suis appelée à ne pas en faire des guidances. Parce qu'on me dit, c'est répétitif, c'est toujours les mêmes énergies, pourquoi toujours passer les mêmes choses? Oui, des fois, il y a des messages, comme je vous ai dit, je vous fais les guidances, voilà. Là, oui, c'est une relation qui, en vérité, l'homme ou la femme, j'ai bien dit, vous adaptez ça suivant votre situation et votre sexe, bien sûr, n'a pas passé le degré au-dessus et que là, il va enfin comprendre. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des adversaires, il y a eu beaucoup de problèmes financiers, carrière, et que, eh ben, il a fallu qu'il réfléchisse. Il a fallu qu'il comprenne qu'en vérité, c'était pas que la finance et carrière, et que vous avez une place dans sa vie. Des fois, il faut plus de temps. Voilà. Je sais que c'est dur pour tout le monde, donc bon, je suis appelée à vous emmener des messages, bien sûr, et... Pour moi, c'est des messages qu'on me dit vous passez et des messages vrais. Voilà. Je ne suis pas à la demande. Alors, on peut me dire dans 1 heure de vous refaire une guidance parce que j'aurai un message à passer. Comme peut-être pendant 2 jours, j'aurai rien passé parce que ben, on ne me dit pas. Voilà, on ne me dit pas. Non. Là, en ce moment, on me dit c'est peut-être un peu plus calme. Peut-être. Je ne sais pas. Ou peut-être parce que je vous passe des messages déjà dans les énergies. Et que c'est déjà pour eux suffisant ce que je vous passe. Et qu'on n'est pas obligé de passer toujours des messages de relation. C'est plus des fois des messages pour vous aider à remonter la pente. Je sais que j'ai pas beaucoup de vues, je le sais, et vous voyez, je continue à le faire. Pourquoi? Parce que moi, on me dit que c'est important pour certains de les aider à rester, à continuer à se battre. Voilà. Maintenant, si ça ne vous intéresse pas, ben j'arrêterai. Il n'y a pas de souci. Je comprends. Ça peut agacer certaines personnes. Je suis ouverte à tout sujet. N'hésitez pas à me dire vos commentaires. Tant que ça reste respectueux, voilà. J'accepte tous les messages. Le tout, c'est d'être respectueux les uns vers les autres. Voilà, c'est tout. Sur ce, mes bouts d'amour, je vous embrasse tous très fort comme d'habitude. Vous le savez. Je vous aime tous très fort et je vous embrasse tous très fort pour aujourd'hui, les jours suivants, comme d'habitude. Et je vous souhaite une très très bonne journée. Et j'espère que tout va s'arranger dans votre vie. Gros bisous et à bientôt. Bisous.